Les salariés de l'URSSAF Puy-de-Dôme en ont ras-le-bol. Ils ont cessé le travail ce matin. Certains d'entre eux se sont même rassemblés devant les locaux de l'URSSAF à la Part-Dieu, à l'appel des syndicats CGT et FO. Les salariés de l'URSSAF réclament des moyens supplémentaires pour faire face au surcroît de travail. Pour eux, la situation actuelle est catastrophique. On écoute un représentant du syndicat Force Ouvrière. Il y a beaucoup de retard. Depuis des mois, voire des années, on a entre 5 000 et 11 000 affaires à traiter. Il y a un manque de personnel criant, un manque pour nous d'organisation, et des fonctions telles que la plateforme téléphonique et l'accueil du public devraient être mieux gérées pour nous. On demande donc des revalorisations en termes salariales, l'attribution donc de points pour l'ensemble des agents, des embauches en CDI, et on demande donc l'arrêt de la valse des CDD et des intérimaires. Parce que c'est des gens qu'on forme, qui s'en vont au bout de 6 mois, 3 mois, 4 mois. Après, on rembauche du personnel en CDD et on ne peut pas fonctionner comme ça.